Vastbesloten om zich flink te weren, maakt ze op 71-jarige leeftijd een weergaloze comeback in de Rue Cambon. Et j'ai assisté à ce qui a été un vraiment un four qui n'a pas de nom. Enfin, je veux dire, c'était presque intolérable. Les mannequins défilant dans un silence glacial, pas une personne n'applaudissant, et la presse décidée à en découdre. Et on les comprend. Et il y a eu le lendemain cet article accablant, titré dans Combat, si je ne m'abuse, Chanel, deux points, s'est fouillé les oies. Sa première, son retour, son comeback, la première collection, avant celle suivante, où elle s'est à peine rattrapée, mais rattrapée quand même. Je veux dire, où nous avons vu arriver, très lent, très hésitant au début, à la première collection, puis à la deuxième, beaucoup moins hésitant, les acheteurs américains. De Chanel-stijl wordt slecht ontvangen in Frankrijk, maar in de Verenigde Staten zijn ze enthousiast. De pers volgt de smaak van de klanten en in 1959 plukt Chanel de vruchten van haar koppigheid. Ze staat weer bovenaan. Haar ontwerpen worden op allerlei manieren gekopieerd en geïmiteerd. Chanel, pouvez-vous nous dire ce que sera la mode cette année? Non. Pourquoi? Vous ne savez pas? Parce que je ne le sais pas. Et puis que si je le savais, je ne vous le dirais pas. Mais est-il possible que vous ne sachiez pas, c'est dans 3 semaines que vous présentez votre... Oui, mais dans 3 semaines, on peut faire beaucoup de choses, y compris changer de la mode. Comprenez ? Parce que ça va très très vite, que c'est impossible. D'abord, je ne finis jamais aucune robe, donc je ne peux pas savoir ce que ça donnera. Je ne les finis pas, je les vois jusqu'à la dernière minute, je travaille dessus, parce que la mode, c'est une chose très comme ça. Vous savez ça. Vous les travaillez jusqu'au dernier jour ? Jusqu'au dernier jour, vous pouvez même dire jusqu'à la dernière nuit. Par peur d'être démodé ? Oui, par peur de les démoder. J'enlève tout ce que j'ai mis, que je trouve inutile. Dans quel état sont-elles en ce moment? Ouf, seulement en morceaux, monsieur, en morceaux. Je vous dis la vérité. C'est vrai? C'est vrai, c'est tout à fait vrai. La mode de ces 10 dernières années a été très souvent excentrique. Y a-t-il des excentricités que vous tolérez? Je n'ai pas trouvé la mode excentrique. Je l'ai trouvée extravagante, ce qui n'est pas la même chose. Je n'aime pas l'extravagance. Une mode qui imite une époque révolue, historique, est-ce de l'extravagance? Ça m'apparaît stupide à moi, personnellement. Comprenez, c'est une époque finie. La mode, c'est pas ça. Vous comprenez, la mode, c'est en avant, c'est pas en arrière. On ne recule pas, on ne fait pas des choses qu'on fait. Il faut vivre avec son époque. Vanaf haar terugkeer in 1954 wordt Chanel gesteund door het nieuwe tijdschrift Elle, opgericht door Hélène Gordon-Lazareff. Haar dochter Michèle Rosier kijkt terug. C'était pas possible qu'on se laisse faire par la mode des couturiers, qui était très belle, mais qui était vraiment antidéluvienne, qui était antiféministe finalement, terriblement, alors que sa mode plus androgyne était beaucoup plus féminine finalement. Je crois qu'elle avait un sens très très... Elle avait d'abord un sens fabuleux de l'élégance, mais elle avait un sens du confort. Et peut-être qu'elle avait ce sens du confort parce qu'elle était assez androgyne et qu'elle ne voulait pas être gênée par les vêtements. Donc elle avait l'élégance, mais elle avait aussi le fait de vouloir être bien dans ses vêtements. Et ce n'était pas du tout de ça dont il s'agissait dans la mode de cette époque-là. C'était vraiment... Moi, j'avais soupesé des vêtements de chez Dior quand j'étais petite, mais c'était l'horreur. Il y a eu une série de photos qui étaient très drôles d'ailleurs, de la mode des couturiers. Je ne sais plus qui les a faites, c'était Bill Klein ou quelqu'un, mais on mettait des dames habillées en robe de couturier dans la rue, et puis les gens dans la rue les regardaient en rigolant comme des baleines, tellement c'était grotesque, quoi. Et elle, non, jamais, jamais elle a fait un vêtement qui pouvait faire rire. C'était toujours beau. Derrière ces paravents se cache pour quelques secondes encore la collection de Mademoiselle Chanel. Nous sommes heureux d'être les premiers à vous présenter les premières images de la mode 1959. Ce premier tailleur de l'année, c'est le mannequin vedette de Mademoiselle Chanel, c'est Marie-Hélène Arnault qui le porte. Marie-Hélène, vous pouvez venir m'aider à commenter, s'il vous plaît. On vous a vu en tweet de très près.
reste très très frais. Celui-ci oui. aussi est en tweed. Oui, c'est encore des tweeds que vous voyez, mais alors que j'avais une blouse et une doublure unie, celle-ci est imprimée. Un imprimé un peu... abstrait. Un peu abstrait. Un mot sur le canotier, nous en verrons d'autres. Vous en verrez d'autres, toujours très en avant. Regardez ces canotiers, ils semblent basculer comme si le vent, comme si un même vent les avait fait pencher tous en avant. Le tailleur est grège, gancé de bleu marine. La blouse que va vous montrer Paul de Mérindol est également chantoun bleu marine. Il ressemble un peu au tailleur que Mademoiselle Chanel porte si souvent. C'est exact. C'est le numéro 2 de la collection. Elle voulait que les vêtements adhèrent bien au corps, mais avec souplesse. Donc, elle faisait des épaules très près du corps, mais en même temps plus libres à la taille qu'on étreignait beaucoup à ce moment-là. Elle voulait qu'on cache les genoux parce qu'elle trouvait que c'était très laid, des genoux de femme. Elle voulait qu'on puisse avoir une poche pour mettre des clés pour sa voiture et sa maison. Elle avait un sens pratique énorme mélangé à cette rigueur et cet œil élégant. Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile dans votre métier ? Ah, permettre aux femmes de bouger aisément, ne pas se sentir déguisées, ne pas changer d'attitude, de manière d'être, selon la robe dans laquelle on les a fourrées, c'est très difficile. Et ça, comment dire, je crois que c'est le don que je possède, enfin, si tant est que ce soit un don, je crois que je l'ai. Il faut J'aime savoir pas. Dans le corps humain ce qui bouge et ce qui ne bouge pas. Ah oui, et le corps humain bouge tout le temps. Même quand on ne voudrait pas bouger. Voyez-vous, en ce moment-ci, j'aimerais ne pas bouger, vous parlez calmement, ça m'est très difficile. Je bouge sans arrêt. Bien, si j'avais un costume qui me gêne, je ne bougerais pas. Parce que j'aurais peur qu'il se déplace. Et bien, le mien, ça m'est égal. Il peut ne pas se déplacer, il peut se déplacer, il peut faire ce qu'il veut. Il fait rien. Il tient. Je me souviens qu'un jour, je suis venue déjeuner chez elle avec un petit manteau rouge. Qu'on m'avait dit à Saint-Laurent que j'avais dû acheter en solde quelque part à travers, et qui était probablement Saint-Laurent mais peut-être déjà un peu trafiqué, vous savez, j'étais très mince et que j'avais pas beaucoup d'argent à cette époque-là, j'avais des petites choses que j'achetais comme ça que j'ai gardées à travers toute ma vie, d'ailleurs des vêtements que je mettais très très longtemps. Et alors elle a commencé à me prendre les épaules et à me dire, mais c'est pas possible de faire des emmanchures pareil, apportez-moi des ciseaux. Et elle m'a refait les emmanchures avant le déjeuner. J'étais avec un manteau avec des petites manches épinglées qu'elle a fait recoudre pendant le déjeuner. Je suis repartie avec des emmanchures Chanel sur un manteau qui était en principe Saint-Laurent. C'est vrai que quand on s'habillait chez Chanel, ce que j'ai fait beaucoup et que beaucoup d'amis faisaient, on se sentait si bien habillé. On était tellement élégante. On était très confortable en plus, parce que c'était toujours dans des tissus magnifiquement tissés, des tweeds faits sur mesure comme couleur, doublés de soie, de plongée de soie, dans des couleurs de rêve. Il n'y avait aucun vêtement qui était inconfortable. Alors ça donnait, ça adoucissait la vie, beaucoup, les vêtements de Chanel. C'était typiquement un vêtement que toutes les femmes rêvaient d'avoir. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'elle a été copiée de tous les côtés. Ce qu'elle aimait beaucoup, quand on disait, mais comment vous avez vu dans cette boutique, vous savez, les gens autour, elle disait, mais tant mieux si on me copie. Mais c'est ça le succès, c'est d'être copiée dans la rue. Et quand on voyait à cette époque-là, toutes les femmes, les filles, les jeunes, les plus vieilles, habillées en tailleur Chanel dans la rue, à tous les prix, d'ailleurs, c'était pas des vrais. Et ça, c'est très, je trouve aussi, elle avait raison, c'est très flatteur d'avoir ça. Vous savez, on a pourchassé toutes les petites couturières, enfin, on a fait un tas d'histoires pour défendre des choses inexistantes. Car ça m'a toujours semblé, ce qui m'a semblé le plus ridicule, c'est qu'on veuille défendre une mode, on ne peut pas défendre la mode. Pourquoi la défendre? Elle n'est pas une mode si personne ne la voit. In 1954, het jaar van de terugkeer van Chanel, wint een 18-jarige tekenaar een wedstrijd mode tekenen. 15 jaar later is Yves Saint Laurent een begrip. Hij heeft goed naar Chanel gekeken. Chanel beziet de man die ze min of meer als haar opvolger beschouwt met een welwillend oog.
De kleding van Courrèges daarentegen, een weerspiegeling van de lossere zeden van de jaren 60, maakt de koningin van het klassicisme woedend. Elle a détesté l'époque Courrèges. Ce qu'elle pouvait dire sur Courrèges était quelque chose de... Ça la révulsait, parce que d'abord que les femmes montrent leurs genoux. Alors, mais elle avait une façon très méchante de le dire et très agressive. Pour montrer ses genoux, il faut qu'il soit très beau. C'est une articulation, c'est comme si on montrait son coude. Voilà, on prendrait une chose et on serait toute la journée comme ça. Regardez comme mes petits coudes sont gentils. Moi, j'ai rien contre les gens nus, s'ils sont beaux. Mais quand ils ne sont pas beaux, eh bien, dans la rue Cambon, si vous vous installez là un instant, vous me direz combien de personnes vous avez vues dans la journée qui avaient de bonnes jambes. On ne se doutait pas qu'ils avaient les jambes si mauvaises, les genoux cagneux, trop gros, qui deviennent un peu violets en plus. Oh, c'est affreux. Et puis moi, je crois que quand on déballe tout comme ça, on n'a plus envie de rien. Mais c'était une femme magnifique. Elle était très crainte par tout le monde, même les femmes de la société extrêmement puissante avaient toute une peur, une admiration et une peur vis-à-vis de Mademoiselle Chanel, parce qu'elle était capable de dire n'importe quoi à n'importe qui. Elle avait cette allure et cette force de le dire. Bettina, een naoorlogse topmannequin, was al met haar werk gestopt toen Chanel haar comeback maakte. Wederzijdse kennissen brachten de oud-mannequin en de modeontwerpster weer bij elkaar. J'avais pas travaillé depuis très très longtemps, depuis assez longtemps même comme mannequin, j'avais pas eu de poser ni de photos ni de collection. Et elle m'a fait une très très belle collection. Le premier jour de la collection, ça a été un grand succès. Et en même temps, ça a été un drame parce que toutes les journalistes qui étaient dans les salons de Chanel, qui me connaissaient depuis des années, qui me revoyaient là en train de passer les robes de Chanel, et l'association de Chanel et de moi faisait plaisir aux gens. Et toutes les rédactrices de mode m'ont applaudi. Mais elles m'ont applaudi, moi, en tant que moi. Et là, le coup de Chanel, je disais, mais comment? Mais c'est pas possible. On l'applaudit, elle, et c'est pas les robes qu'on applaudit. Ça fait une crise de jalousie. Et elle est remontée, suivie de Hervé Mille, qui disait, oui, c'est une... On sait comment les gens mettent de l'huile sur le feu. Et voilà, mon travail pour Chanel. On ne peut pas être Chanel en pensant qu'on est quelqu'un de ramollo. Elle savait ce qu'elle voulait, Dieu merci, parce qu'elle l'a imposé et dans ses essayages, elle ne se faisait pas faire ce qu'elle ne voulait pas faire. C'est elle qui imposait, et les premières d'atelier, le tailleur, tout le monde. Mais elle a appris un métier magnifique aux gens qui ont travaillé pour elle. Chanel omringde zich met jonge vrouwen uit gegoede families die hun werk als een soort roeping beschouwden. Deze vrouwen, vaak van adel, leidden allemaal een druk leven dat niet te vergelijken was met het leven van een mannequin. Vanaf haar trap hield Chanel het optreden van haar mannequins nauwlettend in het oog. Inès de La Fressange maakte 13 jaar na het overlijden van Chanel haar opwachting in de rue Cambon. Toch heeft ze enkele van de oude mannequins van Chanel goed gekend. J'ai cette amie tendre et chère qui s'appelait Sylvia Gouillin, Sylvia d'Harcourt, et c'est un mannequin que Chanel adorait, qui était sud-américaine, argentine, féminine, ravissante, brillante, très drôle, très gaie. Et alors, Chanel l'aimait vraiment beaucoup. Et un jour, pour des essayages, elle est arrivée et les vêtements étaient un tout petit peu trop serrés. Et du coup, elle a fait une réflexion au premier atelier en disant « Mais vous avez fait cette jupe beaucoup trop serrée, ça ne va pas du tout. » Et Sylvia, gentiment, qui était le mannequin qui essayait le vêtement, a dit « Écoutez, mademoiselle, c'est moi qui ai pris du poids, c'est pour ça que c'est un peu serré, voulant défendre le premier d'atelier. » « Mais non, c'est cet imbécile qui fait n'importe quoi et tout. » Et elle a commencé vraiment à s'énerver contre le premier d'atelier. Sylvia, formidable et héroïque, lui dit « Bah, puisque c'est comme ça, merde !» Et elle est partie. Et alors, la réaction de mademoiselle a été très bien. Elle l'a adorée encore plus. Hein. Elle lui a fait des cadeaux, elle l'a invitée à déjeuner dans son appartement privé. Et en fait, elle avait trouvé très très bien ce geste de vouloir protéger le premier d'atelier. Chanel heeft altijd hard gevochten om haar reputatie hoog te houden. De kwaliteit en afwerking van haar ontwerpen moesten perfect zijn. Ze stond dan ook bekend om haar autoritaire karakter en de extreem hoge eisen die ze stelde.
Elle en était à un rapport avec le monde ouvrier, qui était celui des grands chefs d'industrie d'avant la guerre de 14. C'est-à-dire, le patron ayant tous les droits, les travailleurs aucun. Cela dit, ça ne l'empêchait pas de les aimer. Elle a même créé, elle a été une des premières, avec l'aide de Westminster, à ouvrir une maison de vacances pour ses ouvrières à Mimizan, c'est-à-dire à admettre que les ouvriers avaient droit à des vacances. C'est déjà énorme. Mais pour le reste, c'était un monument de réaction. C'en était extravagant. Et quand ces ouvrières se sont mises en grève en 1936, ça a été pour elles une révolution. Enfin, vraiment, alors vraiment, la révolution. Elles ne pouvaient pas concevoir que c'était... Elles en parlaient encore. Des années après, moi je l'ai connue bien après, je l'ai connue après la fin de la guerre de 40. Et elle vous disait des choses effrayantes, la grève sur le tas. Est-ce que ça n'est pas déjà dégoûtant? Rien que d'en parler, on lui dit, enfin oui, oui, pas très élégant, mais enfin bon. Et faire la grève sur le tas, ça ne vous dérange pas. Alors elle vous cherchait, espérant que vous alliez lui dire, non, ça ne me dérange pas. À ce moment-là, elle éclatait. Une femme d'une violence dans ce domaine incroyable. Incroyable. Il faut l'avoir vue pour le croire. Edelsmid Robert Gauzins was Chanel bij haar terugkeer in 1954 meteen opgevallen. Deze vakman, die zijn inspiratie haalt uit de oudheid, heeft talloze sieraden voor haar ontworpen, waarvan het Byzantijnse kruis het symbool is geworden. Uit hun samenwerking, die duurde tot de dood van Chanel, groeide een bijzondere verstandhouding. Je lui dis, mais mademoiselle, de toute manière, moi je considère que vous êtes comme Brummel, vous avez fait pour la femme ce que Brummel a fait pour les hommes, c'est-à-dire tout ce que les couturiers peuvent faire actuellement, et c'est vrai, M. Saint-Laurent le dit lui-même, hein, eh bien, ils ne peuvent pas faire autrement que ce que vous avez montré, c'est-à-dire vous avez libéré un peu... Enfin, moi je lui explique ça à ma manière, et là je me suis aperçu que j'avais été trop loin, parce que j'ai vu, elle m'a regardé, elle s'est dit, celui-là, il essaie de me passer de la pommade... Et j'ai vu à sa manière de me regarder et qu'elle ne me croyait pas. Et elle croyait que je lui racontais une histoire pour lui faire plaisir. Hein, pour, comme elle avait l'habitude des gens qui étaient autour d'elle. Mais ça, c'est pourquoi elle disait « je préfère une fripouille parce qu'on s'amuse mieux et raconte n'importe quoi » que d'avoir des gens avec qui on s'ennuie. Il y a une chose qui n'a rien à voir avec rien, mais la seule fois où j'ai déjeuné avec elle et ma mère, elle a servi en entrée des lentilles vinaigrettes. Et ma mère, qui était un petit peu snob elle-même, était un peu ahurie de voir qu'on servait chez Chanel avec un valet de chambre à table, enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle, quelqu'un qui sert à table, en grande pompe, des lentilles vinaigrettes. Et ça décrit assez bien Chanel, parce qu'en même temps, elle s'en foutait du regard des autres, et ça, c'est une force, comme on sait, c'est une force magnifique. Elle était multiple, très brillante, très, très française. Moi, je ne connaissais rien de ses origines. Je croyais ce qu'elle me disait, ce qu'elle disait à tout le monde. C'est-à-dire ce conte de fées qu'elle a accrédité, qui n'a pas l'ombre de vérité. Donc, je ne me posais pas beaucoup de questions sur elle. C'était la grande Chanel pour moi, c'est-à-dire le génie de la mode. Voilà, je ne vais pas au-delà de ça. Gabrielle Chanel doet in 1903 in Moulins haar intrede in de modewereld als bediende in een winkel in breigoederen. Ze is de dochter van een boerin en een marskramer en groeit in grote armoede op. Als ze 12 is, overlijdt haar moeder. Haar vader brengt haar onder in het klooster van Aubazin, waar ze haar hele verdere jeugd zal blijven. De officieren van het plaatselijke garnizoen maken Gabrielle het hof. En op 20-jarige leeftijd beproeft ze haar geluk in de café Chantants van Vichy met maar twee liedjes, Kika vu Coco en Cocorico, die haar de bijnaam Coco bezorgen. Je l'ai interrogée par des détours qui n'étaient pas très difficiles à trouver pour moi, par Vichy, qui est la ville où elle a fait ses débuts dans la vie et où elle a commencé comme chanteuse de café-concert. Alors j'ai essayé de mettre
la conversation sur Vichy, mon grand-père ayant été propriétaire d'une source, la vie à Vichy, rien. J'essayais de parler de la beauté d'Aubazine, l'endroit où elle avait été élevée, elle ne connaissait pas le mot, elle prétendait. Auba quoi ? Elle m'a raconté au moins trois versions de son enfance. Elle avait raison d'ailleurs, c'était très poétique. Après tout, elle ne devait à personne la vérité. Un jour, je ne me rappelle plus si c'était l'après-midi ou le soir, elle m'avait invité à dîner. Alors je lui ai dit, moi j'avais des amis auxquels je tenais, et puis moi me retrouver avec des gens comme Chazot, tous ces gens-là, ça m'intéressait pas tellement, je me sentais mal à l'aise, quoi, hein, bon. Et je lui dis, mademoiselle, vous savez, je lui disais, on avait un dialogue simple. Je lui dis, mademoiselle, je suis pas à l'aise, je lui dis. Elle me dit, mais qu'est-ce que ça peut faire, c'est des gens comme vous et moi, qu'elle me dit. Alors, je lui dis, oui, mais enfin... Elle dit, oui, je sais, mais vous savez, moi aussi, je suis d'origine ouvrière, qu'elle me dit. Et quand mon père et ma mère se battaient à la maison, j'en ai vu des assiettes volées. Moi. Op haar 25e wordt ze de maîtresse van een jonge infanterieofficier uit een gegoede familie, Étienne Balzan. In zijn milieu komt ze de beroemde cocottes tegen zoals Emilienne d'Alençon en Cléo de Mérode. Je ne peux donner comme explication que celle-là. Elle voulait avoir une respectabilité ancienne, familiale, qu'elle n'avait pas. Elle restait donc la petite fille entretenue qui avait eu comme premier amant Balzan et avait rencontré Cléo de Mérode. Elle n'était jamais sortie de ce stade-là. Elle était 1900. Elle était une femme qui avait 28 ans passés quand elle a quitté Balzan. Donc qui avait derrière elle une assez longue année de femme entretenue, de proximité des cocottes de l'époque. Et donc elle a pris ce milieu en horreur, on le conçoit très bien. Et ensuite, elle a essayé malgré tout, et c'est là son erreur, c'est-à-dire de rester dans le même milieu de ce qui produisait des entreteneurs d'irrégulières, d'en faire son milieu en n'étant pas une irrégulière, mais en étant un génie de la mode. Elle était fondamentalement très snob. Elle aurait aimé être née dans une famille aristocratique et pouvoir donner des leçons aux gens sur les bonnes manières, qu'elle avait d'ailleurs, qu'elle a acquis auprès de ses amants, ce qui n'est pas déshonorant. Au contraire, moi je trouve ça plus qu'honorable de la part d'une femme de savoir choisir ses amants de façon qu'ils lui prennent quelque chose et pas qu'ils lui prennent son fric. Étienne Balzan verdient zijn geld met de paardenrennen en met het trainen van volbloeden. De vrouwen op de renbaan wedijveren met elkaar in overdadige uitdossingen. Gabrielle steekt hier schril bij af met haar masculine kleding en stropdas. Maar haar hoeden vinden gretig aftrek bij de toekomstige actrices en andere vrouwelijke bekenden van Balzan. Balzans beste vriend, Arthur Capel, neemt haar modetalent serieus en laat haar in 1913 haar eerste winkel openen. Hun romance, Coco noemt hem Mijn Grote Liefde, biedt haar de gelegenheid haar imago van onderhouden vrouw van zich af te schudden. Tijdens de Eerste Wereldoorlog trekt Chanel zich terug in Deauville. Vrouwen worden steeds actiever. Daarom slaat de sportieve jerseykleding die Chanel voor zichzelf ontwerpt meteen aan. Jeanne Renoir van de Comédie Française geeft Chanel bekendheid door in het voorjaar van 1916 gekleed in een Chanel mantelpak voor de pers te verschijnen. Le jersey c'était un tissu qu'on utilisait pour faire des sous-vêtements et qui était pas chic du tout. Et elle est à Deauville avec ses copains et tout et puis elle a fait fabriquer des vêtements en jersey et c'était plus que punk quoi à l'époque de faire ça ensuite il y a eu le t-shirt et puis maintenant on choquera, on n'étonnera personne en sortant dans la rue avec un t-shirt et puis mais dans le fond avant on appelait ça des tricots de peau et on sortait pas en tricot de peau et ben le jersey c'était pareil.
C'était des vêtements détournés, donc, d'abord. Elle a été une des premières à porter des pantalons. Et en fait, elle avait un côté très, très provocant. C'est qu'elle allait, par exemple, aux courses avec un grand imperméable d'homme et un vieux feutre sur la tête rabougri. Et ce qui, aujourd'hui, quand on voit la photo, ça paraît pas très, très, très étonnant, cette espèce de sportswear de luxe comme ça et tout. Mais à l'époque, les femmes avaient une espèce de grand chapeau avec de supposés des fruits, des fleurs, des oiseaux. Donc elle était complètement en décalage. In 1920 opent Chanel haar tweede kledingzaak in Biarritz. Ze is een van de eersten die haar haren kort draagt en in de zon gaat zitten. Na de dood van Arthur Capel beleeft Chanel een zinderende romance met Russische groothertog Dimitri, die gevlucht is vanwege de bolsjewistische revolutie. Chanel staat aan het begin van een onstuitbare klim naar de top. Het buitenlandse succes van Chanel komt na de lancering van haar beroemde parfum Numéro 5. Hiermee vestigt ze haar naam en maakt ze fortuin. Marilyn Monroe spreekt jaren later haar waardering uit voor het parfum als ze zegt dat ze 's nachts alleen Numéro 5 draagt. In 1925 ontwerpt Chanel een rechte jurk van zwarte crêpe de Chine, de zogenaamde Fort Chanel, die elke vrouw wil dragen. Het jaar daarop ontdekt ze de tweed, die ze ruim in haar collectie verwerkt. Door haar relatie met de hertog van Westminster belandt ze in de vroege voorloper van de roddelrubriek. Als boegbeeld van de goede Frans-Engelse betrekkingen presenteert Chanel in 1932 haar collectie in het kasteel van Westminster. Haar relatie met de hertog, een mogelijke huwelijkskandidaat, is dan al voorbij. Voortaan is ze de bekendste Française in Engeland, waar men een woordgrapje over haar maakt. De oversteek van The Channel door Chanel. Chanel bezit prachtige sieraden die ze heeft gekregen van de hertog van Westminster. Toch draagt ze 's avonds liever fantasiesieraden van eigen ontwerp. Dit leidt tot een nieuwe mode. Als ze in 1932 een sieradenlijn van peperdure diamanten uitbrengt, lijkt het of ze daarmee een lange neus trekt naar de economische crisis in het Westen. Ook de filmwereld heeft belangstelling voor Chanel. Catherine Le Terrier, gelauwerd filmkostuumontwerpster, heeft zich verdiept in de betrekkingen van de couturière met Hollywood. C'était une immense star dans les années 30, donc Samuel Goldwyn, qui était toujours à l'affût de trouver les meilleurs talents, etc., lui a fait un pont d'or pour l'époque, c'est-à-dire $1 million, pour aller passer 6 semaines par an à peu près pour créer des costumes là-bas et habiller les actrices les plus prestigieuses. Donc la première qu'elle a habillée était Gloria Swanson, énorme actrice à l'époque. Ça s'est extrêmement mal passé. D'abord, Gloria Swanson était enceinte, n'a pas osé le dire à Chanel. Chanel l'a terrorisée en essayant de la faire maigrir, alors que l'autre était évidemment en train de prendre un peu d'embonpoint. Je crois que sur les listes de costumes, il y avait un nombre incalculable de panties en dessous pour essayer de comprimer la chose. Et finalement, ça s'est assez mal passé parce qu'elle a eu, alors elle a été acclamée comme une star en arrivant. Et quand les films pour lesquels elle a fait des robes sont sortis, ils ont été très mal perçus. On a trouvé qu'il n'y avait pas de look. Hollywood vond haar niet glamorous genoeg. Chanel neemt wraak met haar prachtige kostuums voor de film La règle du jeu van Jean Renoir. Ze kleedt ook sterren als Greta Garbo en Marlene Dietrich. Haar jurken spreken heel verschillende vrouwen aan. Van Jeanne Moreau tot Delphine Seyrigue. Hetzelfde geldt voor het fameuze mantelpakje. Juliette Gréco draagt het, Romy Schneider en Grace Kelly. De surrealistische schilder Salvador Dalí is een oude vriend uit de jaren 20. Chanel had in die tijd een gepassioneerde relatie met de dichter Pierre Reverdy, een miskend talent dat altijd arm gebleven is. Elle sentait
qu'elle avait en elle la potentialité pour devenir quelqu'un, vraiment. Et elle a eu un sens de la création, et pas seulement dans les robes, dans la mode. Reverdy est un choix que n'importe qui n'aurait pas fait, le poète. C'est ça. Elle a toujours eu c'est plus que du goût, c'est un véritable raffinement, un véritable sens de la qualité pour tout. Chanel omringt zich met schilders, muzici en schrijvers die op het punt van doorbreken staan. Ze ontwerpt de kostuums voor Antigone van Cocteau. Picasso maakt de decors. Ze neemt de componist Igor Stravinsky, die net uit Rusland geëmigreerd is, in haar huis op. Ze ontwerpt de kostuums voor alle stukken van Cocteau. Voor het ballet Le Train Bleu van Diaghilev, naar een verhaal van Cocteau, ontwerpt ze niet alleen de kostuums, ze financiert ze ook. En voor een stuk van Cocteau uit 1937 wikkelt ze Jean Marais in windsels. Ze werpt zich op als muze en mécénas. Elle séduisait par son talent, son immense talent. Elle séduisait par sa voix, le son de sa voix. Quelque peu, je dirais, quelque peu rustique. Mais elle séduisait par sa réputation devenue internationale, en quelque sorte. Elle médusait. Voilà. Sans nul doute, on peut être. Il y avait une sorte d'attraction physique. Et puis, l'attraction physique, il venait de son talent. Il y avait toute une conjonction de talent, de charme, de beauté, de drôlerie, de mystification. Het leven is een feest. En Chanel kan in deze periode alle facetten van haar persoonlijkheid laten zien. De schrijfster Colette, een vrouw met een even mysterieus verleden als zij, trekt haar aandacht. Elle et Colette, certainement, se sont rencontrées. Je pense se sont aimées. Elle aimait surtout les femmes. Prenons l'un de vos tailleurs de l'année dernière, pour l'instant, le vôtre, celui de Marie-Hélène Arnault. Ces deux tailleurs sont encore à la mode pour quelques semaines. Oui, pour quelques semaines. Mais enfin, Marie-Hélène est très jolie, elle est mince, elle est très bien faite, elle est très jeune. On pourrait penser que ce n'est pas vraiment démodé. Mais elle sait très bien elle-même qu'elle sera démodée dans deux semaines. Enfin, dans deux ou trois semaines. Elle s'en doute, d'ailleurs, regardez son sourire. Elle avait des grandes passions comme ça. Et Susie Parker, elle l'a inspirée beaucoup. Et Susie était un des grands modèles américains et qui est resté chez Chanel pendant longtemps. Il y avait eu Marie-Hélène Arnault qui a partagé presque la vie de Chanel. C'était des relations très différentes. Ça n'avait rien à voir d'un couturier et ses mannequins. Op de tweede étage van de winkel in de rue Cambon had Chanel een privévertrek. Deze ruimte is nog intact en staat vol met sporen uit het verleden. In dit vertrek, dat de sfeer ademt van een romantisch leven, nodigde ze haar vrienden uit voor de lunch of het avondeten. Maar als ze ging slapen in de kamer in het Riets, die ze 35 jaar bewoonde, kon de gevierde couturière zich heel alleen voelen. Elle était totalement seule. Il était difficile qu'elle ne soit pas seule parce que quand même, elle était le contact permanent avec elle était, comme je vous l'ai dit, un peu insupportable. Elle était complètement narcissique, donc on ne pouvait pas placer un mot, on ne pouvait pas dire j'ai mal à la tête. Enfin, tout ça la rendait quand même très très difficile à vivre. Elle ne pouvait avoir que des servants, des domestiques. Enfin. Et comme elle le savait, elle les détestait naturellement. Vous ne croyez pas que la télévision embêtit un peu les gens aussi? Je ne crois pas que vous le direz, mais enfin, tout de même, je trouve que ça embêtit les gens. Même moi, ça m'abrutit. Je trouve le truc, même si c'est pas très bon, je peux plus m'en passer. Si je suis seule, ça marche sans arrêt. Je voudrais aller chez Chanel, moi. Si vous permettez, je vais m'asseoir à côté de vous sur l'escalier et puis nous allons regarder la collection. Oui. Haar vriendenkring wordt met het jaar kleiner. Maar bij Jacques Jazot kan ze altijd met haar problemen terecht.
Op een avond laat Chanel ook een van haar andere vrienden halen. Edelsmid Robert Gozins. Je rentre dans une chambre où elle était sur un lit, allongée, les cheveux défaits, blanche comme un cierge. Elle était, je veux dire, mais elle est morte, elle était dans un déshabillé blanc, en soie blanche. Et puis, elle avait les yeux fermés. Et puis, François, on s'approche, et puis il se met un peu à l'écart, et puis elle me dit, regardez ce qui m'arrive. Puis, elle ne pouvait plus lever la main, elle était paralysée. Elle dit, je ne veux pas qu'on me voie comme ça. C'est là son côté dur, autant pour elle que pour les autres. Et ce côté, elle ne voulait pas se montrer en état de faiblesse. Alors, je lui avais fait donc l'empreinte de la main en bronze. Hein, et j'avais fait un bracelet en velcro. C'était large comme ça. Alors, ça faisait un bracelet qui lui tenait, ça. Donc, sa main ne tombait pas. Et sur le bracelet, j'avais mis des pierres. Je lui fixe ça sur la main. Bon, j'explique à François et à elle comment il faut que ça se... et à Céline comment il faut que ça se place. Hein. Et soulagée, réellement, elle était bien avec ça. Et je m'en vais, donc. François me dit, mademoiselle, vous récompensez. Pas besoin qu'elle me récompense, je faisais pas ça, c'était pour elle que je faisais ça, c'était pas pour autre chose. Et je reviens donc un jour, au Cambon, peut-être une semaine après, et dans la boutique, devant la directrice qui s'appelait Isabelle, il y avait mademoiselle avec d'autres personnes. Elle me voit, elle vient vers moi, elle me tend sa main, elle me fait un coup d'œil comme ça, et puis elle me dit, cirez pas trop fort. Elle me dit, et qui vous dit que j'ai jamais été marié? Comment voulez-vous que je lui explique que je... Premièrement, je ne connaissais pas sa vie, elle ne me l'avait jamais expliqué, et je ne pouvais pas lui dire. Et elle me dit, une femme, si elle n'est pas mariée, si elle n'a pas une famille, elle rate sa vie. Ben, ne supportez pas de voir une femme enceinte. Là, alors, je l'ai vu, mais franchement désagréable avec une journaliste qui était enceinte. Elle l'a fichu dehors de la maison, sans lui dire que c'était pour ça, mais sur un ton extraordinaire. Et bon, ça correspondait certainement à quelque chose d'inconscient, de très pénible pour elle. Quand on lui disait, mais pourquoi est-ce que vous vivez seule ? Elle a eu cette réponse extraordinaire. Un homme jeune, quelle honte. Un homme vieux, quelle horreur. Gabrielle Chanel overlijdt op 10 januari 1971 op 87-jarige leeftijd. Haar oude vrienden komen afscheid van haar nemen. Onder hen de enige modeontwerper die genade vond in de ogen van Chanel. Yves Saint Laurent. Zeventien jaar eerder, bij de tekenwedstrijd die door Saint Laurent gewonnen werd, kreeg ook Karl Lagerfeld een prijs. Dertig jaar later komt hij aan het hoofd te staan van het modehuis Chanel. Comme elle a survécu à tout le monde, on ne sait pas très bien ce qui était d'elle, de Patou, de... C'était plus là les autres. Tandis qu'elle, elle était là, pignon sur rue, avec une grande gueule. Donc, elle pouvait devenir une sorte de symbole pour quelque chose qu'elle n'a peut-être pas inventé, on s'en fout, mais qu'elle représente. Justement, qu'est-ce qu'elle a inventé? Parce qu'on peut dire Werf, Paquin, Balenciaga, mais Chanel. D'abord, elle s'est inventée elle-même, c'est déjà une grande trouvaille. Et puis, c'était la première styliste dans le sens où on utilise ce mot aujourd'hui. Voilà. Elle a vu les uniformes des grooms autrichiens, et ça donnait les tailleurs Chanel, mais il fallait les faire, il fallait en faire. L'équivalent du costume de boutons des hommes, c'est ça qui est génial. Vous savez, comme disait Geoffroy, le fameux décorateur des années 50, quand je vois un objet, c'est pas l'objet qui est génial, c'est le fait de l'avoir trouvé. Donc, et alors, elle, au fait,
Les bijoux, les faux et les vrais mélangés, c'est une idée de Messias Sterte. On s'en fout. Messias Sterte n'était pas styliste, elle n'avait pas un commerce de mode, donc ça n'a aucune importance. L'histoire des cheveux courts, c'est pas elle non plus, c'est Eve Lavalière, tout le monde le sait. Donc ça n'a aucune importance. Elle a pris tous les éléments où elle voyait un changement et elle a fait tout un look de ça qui représente l'idée d'une modernité qui, après, dans les années 70, était devenue l'idée de la bourgeoisie tout court, parce qu'elle a eu quand même un petit problème d'avoir pas vu que la mini-jupe était une chose indispensable dans l'évolution de la mode, et c'est là que ça a buté, mais elle avait 85 ans, donc il faut lui pardonner. Lagerfeld kiest Inès de La Fressange om haar uiterlijk en uitstraling als het nieuwe gezicht van Chanel. Ze wordt de reïncarnatie van haar beroemde voorbeeld en luidt het tijdperk van de topmodellen in. Karl Lagerfeld m'a fait beaucoup travailler chez Chanel. J'ai fait le premier passage dessiné par lui pour la couture. Et je me souviendrai toujours, j'avais une espèce de tailleur bleu marine ravissant. Et il y avait la musique Douce France de Charles Trenet. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Je me rappelle pas très bien. Je me souviens de certains modèles. Je me souviens aussi des filles qui les portaient. Mais je me souviens pas du premier modèle. J'ai une vague idée, mais je ne suis pas certain que ce soit la vérité. C'était un tailleur qui avait des tweeds noir et blanc avec une blouse à carreaux, comme elle avait vaguement fait. Mais vous savez, je me suis fait incendier pour la première collection par Hebe d'Orsay dans la Tribune aussi, en disant qu'il valait mieux laisser la poussière sur les épaules. Bien, on a bien fait de dépoussiérer. Hein. Parce que, heureusement qu'on n'écoute personne. Hein. Mais de toute façon, je savais très bien que ce n'était pas gagné d'avance à l'époque. Mais ça ne me gênait pas beaucoup, parce que tout le monde me disait « Ne touchez pas ça, c'est mort, c'est sans espoir, etc. etc. » C'est vrai, quand on pense à l'histoire de la mode avant, un jour la maison Bort a disparu, un jour la maison Vionnet a disparu, un jour la maison Poiré a disparu, un jour la maison Schiaparelli a disparu. C'est un phénomène relativement nouveau que les maisons et que les choses survivent et deviennent presque plus importants aujourd'hui que dans le passé. La maison Dior dans le passé n'était pas aussi globale ou comment appeler ça, internationale qu'aujourd'hui. Oui. Pour ne pas parler que de Chanel, je veux dire, Chanel n'est plus un phénomène isolé. Hein. Geïnspireerd door zijn nieuwe topmodel Claudia Schiffer, probeert Lagerfeld in 1993 met het klassieke imago van Chanel te breken. How do I look? Met zijn herinterpretatie verwerft hij een nieuwe klantenkring zonder de oude kwijt te raken. In vintage winkels zijn nog steeds kleding en accessoires te koop van collecties uit het verleden. Avoir l'idée que monsieur Lagerfeld de faire les moon boots Chanel, c'était quand même une idée très rigolote de faire une ceinture de faire la ceinture motard, c'était aussi une idée très drôle. Quand la collection motard est sortie, bon, vous vous retrouviez avec une ceinture quand même, qui est quand même énorme. Donc c'est quand même pas ce qu'on attendait à l'époque du style haute couture classique. Donc là, la haute couture, elle est devenue un petit peu un jeu. Et les femmes ont joué avec ça. Parce qu'il n'était pas évident, si vous voulez, se retrouver à Mégève avec les moon boots Chanel. C'était quand même quelque chose, il fallait oser le faire. La ceinture de motard, c'est pareil, il fallait oser le faire. Et les clients de Chanel ont suivi M. Lagerfeld dans son amusement et dans son imagination. Et ont dit, oui, voilà, maintenant la mode, c'est ça. On peut s'amuser, on peut délirer avec des choses très excentriques, mais en restant toujours chic. Moi, j'ai toujours pensé qu'on pouvait être chic et sans être coincé. Et puis, surtout pas conventionnel, hein, que le bon goût est nourri de mauvais goût. Et que, hélas, on oublie qu'au départ, les choses ont été de mauvais goût. Donc, comme les bijoux fantasy, le noir, les vêtements d'homme, ou tout ce qu'elle a pu. Même la queue de cheval, je veux dire, à part les chevaux, personne ne se coiffait comme ça. Als een jonge actrice als Elsa Silberstein bij Chanel binnenloopt, bewijst dit dat traditie en vernieuwing kunnen samengaan. De mode gaat voorbij, de stijl blijft bestaan en het verhaal gaat verder. C'est vrai que j'avais une image assez classique de cette marque et un jour je suis venue chercher des vêtements et j'ai découvert finalement le contraire. Enfin, un grand classicisme dans l'esprit, une ligne
de conduite et en même temps de la modernité, de l'insolence, de l'élégance, des femmes qui sont affranchies, des femmes libres. On parle de M. Lagerfeld, bien évidemment, mais quand on parle de Chanel, moi j'ai plein de clients qui disent « elle a fait ça cette année, elle a sorti sa collection, etc. » On dit encore « elle », bien alors qu'elle n'est plus vivante. Et je ne suis pas certaine que tout le monde sache vraiment qu'elle est décédée. Vraiment, je ne suis pas sûre. Volgende week in Avro Close-up, een van de meest gekopieerde schilderijen ter wereld. De schreeuw van de Noorse schilder Edvard Munch. De schreeuw is aan... Мне кажется, я невидим, или просто они не замечают меня. Интересно, все это разыгрывается ради меня, или я должен сыграть какую-то роль? Стулька, пойдемте, пойдемте. Да, мы пойдемте. Вот что это за спектакль?